Sona, on dira ce qu'on voudra, ça dure tant. Oh, qu'on est bien. T'es tendue, chérie, t'es tendue. Oh, Laurence, c'est parfait. Tu me feras un petit massage après, Laurence, ça me tire là derrière. Viens, chérie, viens. Marie-Catherine, ma chérie, nous n'aurions pas dû venir le jour de l'ouverture du salon de l'agriculture. Ils sont venus, ils sont tous là. Effrayant. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdames. Oh, très bonne surprise. Je ne pensais pas que nous allions rencontrer des dames avant d'aller nous débarbouiller. Anne-Pauline Diemdan, ils ont laissé leur tracteur à l'entrée. Ne bousons plus. C'est excellent. Merci, ma chérie. Pardon, mesdames, est-ce que nous devons faire la queue après derrière vous afin de louer une baignoire pour nous débarbouiller au préalable? Écoutez, ils sont trop beaux, je craque. C'est vous, madame, la préposée au ticket de baignoire? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous aurions voulu louer une baignoire pour deux personnes pendant une heure afin de nous débarbouiller au préalable. Oui? Ben écoutez, je vais vous faire couler un petit bain moussant, puis si vous voulez que je vous frotte le dos, vous me sonnez. Hein? Oh, si ça ne vous dérange pas. Très bon accueil pour les nouveaux venus au club. Oh. Anne-Pauline, sont-ce des hommes ou des animaux? Attendez, je regarde, chérie. Dans l'un ou l'autre cas, ils sont monstrueux, c'est une horreur. Insoutenable, au bord de l'asphyxie. Pourrions-nous ouvrir une fenêtre en raison de la chaleur, mesdames? Oui, alors si le soleil vous gêne, je baisse les stores dans une minute. Hein? Oui, parce que c'est pas normal. Merci, madame, il fait un peu chaud. C'est combien un massage, madame? 150 francs incomplets. Oh, pour moi, vous me ferez un demi-complet. Rien que le bas pour 75 francs. Et pour moi, rien que le haut pour la même somme. Nous pourrions peut-être vous offrir deux bonnes consommations bien fraîches en raison de la chaleur, mesdames. Anne-Pauline, je n'y résiste plus, amusons-nous. Marie-Catherine, coquinons-nous, tant pis. Un thé à la menthe. Eh bien, deux thés à la menthe. Eh bien, quatre thés à la menthe. Dont un côte du Rhône bien frais. Et un rosé sec ballon bien frappé, madame. Alors avec un riz de beurre cornichon. Merci, j'ai déjeuné avant de venir. Vous faites un peu chaud. Nous avons trop mangé. J'ai des renvois, moi. J'aurais pas dû prendre autant de gras double à midi. Surtout avec la bière. Marie-Catherine, il fait très chaud, non? Cette chaleur est insoutenable et bienfaisante. Oui, non, peut-être pas encore assez chaud. Oui, oui. Je vais crever, moi, oui. Qu'est-ce qu'elles disent? Oh, des enneries. Vous allez attraper du mal, oui. Vous n'êtes pas très bien couverte pour aller dans un bain glacé, il me semble. Et quatre thés à la menthe. Elle est là, Laurent, chérie. Oui. Pardon, je ne vois pas les pichets. Où sont donc les consommations alcoolisées, madame? Écoutez, vous n'êtes pas dans une brasserie ici, vous êtes dans un sauna. Oui, mais nous payons tout de même une certaine somme coquette et rondelette. Oui, et nous n'aimons pas la tisane. Oui, bon, écoutez, les rustiques, là, un complet, un massage complet à deux, qui le haut, qui le bas. Alors moi, c'est le haut pour me raffermir un peu les seins qui ont tendance à s'affaisser au préalable. Ça ne fera pas de mal, hein. Moi, ce serait pour me raffermir les fesses. Ont tendance à se ramollir au contact du siège de mon tracteur prévu à cet effet. Non, ben vous, le haut pas épais, allongez-vous là. Merci, madame. Bien, madame. Faites donc comme on vous dit. Oui, ben vous, les fesses molles aussi. Vous n'êtes pas plus. Je ne suis pas plus. Ah, ne tapez pas! Ah, ne tapez pas, nous payons! Une bonne somme!
Il me semble. Achève-les, Laurence, qu'on en finit, c'est insoutenable. Le grand jeu, Laurence, vas-y, chérie. Oh. 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 Oui. Oh. 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 Oui. Oh. Oui. Oh. 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 Les filles.